Salut tout le monde, c'est Mystique Guy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur le jeu Spellbreak. On va aller faire une quête qui s'appelle Infliger 500 points de dégâts en tant que givré-né. C'est quoi ça, givré-né? C'est ça que je vais vous montrer. Donc, pour commencer à faire cette quête-là pour accumuler de l'or, parce qu'on peut accumuler de l'or pour ensuite aller acheter des choses dans la boutique, tout ça gratuitement juste en jouant. Parce que aussi, quand on passe des niveaux, par exemple, si je m'en vais dans ma maîtrise, que je m'en vais, mettons, dans Pyromancien, puis que je descends ici, vous allez voir, rendu au niveau 10 de Pyromancien, on va avoir 100 d'or. Rendu au niveau 12, 50 de plus. Encore 50. Encore 50. Encore 50 jusqu'à temps qu'on arrive au niveau 20. Même chose quand que on veut passer de level. Rendu au niveau 5, c'est juste de l'or qu'on accumule, ou presque, avec des badges, pour pouvoir aller acheter ensuite des choses dans la boutique. Donc, c'est amusant ce jeu-là parce que on peut acheter de l'or si on veut, si on va aller plus vite, et on peut ne pas acheter d'or et tout simplement pouvoir continuer à faire nos défis facilement et rapidement. Donc là, notre défi d'aujourd'hui consiste à infliger 500 points de dégâts en tant que givré-né. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on change notre style de jeu. Donc, comment qu'on fait pour infliger des dégâts en tant que givré-né? Il faut changer sa maîtrise. Quand on va dans maîtrise, on a ici ce qu'on appelle givré-né. Ça veut dire qu'on va avoir un gant de glace et on va pouvoir infliger des dégâts de glace avec ça. Et c'est avec ce gant-là qu'on doit infliger 500 de dégâts. Fait que soit qu'on trouve un gant de glace sur la map, ce qui est un petit peu plus difficile, qu'on n'est pas sûr de faire dans une partie, soit qu'on arrive au niveau 5 dommages, comme je suis présentement, et qu'on débloque le rang givré-né. Donc, comment on fait pour aller faire ça? C'est facile. On s'en va dans Jouer. On clique sur Jouer. Et ici en haut, avant de cliquer sur Confirmer, on change sa maîtrise pour le gant de glace. Donc là, on est en mode givré-né et on doit infliger 500 de dégâts avec ça. Quand on fait Confirmer, on s'en va en partie puis je vous montre comment faire. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer de toutes les vidéos de défis, d'informations et d'astuces que je fais pour vous aider. J'ai aussi un compte créateur sur Epic Games si vous voulez me soutenir dans la boutique, juste en haut de ma tête. Plus j'ai de soutien et plus je vais pouvoir faire de concours, donc merci à tous. Et on peut tirer un peu plus loin comme ça. Comme ça, la ligne est plus longue pour patiner, c'est plus rapide. Et on s'arme de meilleures bottes. Et on lit le parchemin pour augmenter nos pouvoirs. Notre puissance, plutôt. On s'en va en zone. On vérifie avec ce pouvoir-là si on n'a pas d'autres amis aux alentours. Gant de pierre encore plus puissant, non déjà équipé. Oh, il y a beaucoup d'ennemis dans ce coin-là, ça se fait. On va aller faire plein de dégâts. Là, on va courir après lui. Ce qu'on veut, c'est faire des dégâts. Comme ça, on a 20 dégâts de fait. On a fait 500 au total. Ce qui est fun. Oups, là j'ai manqué. Donc là, on est à 158 de dégâts. Donc, il faut qu'on continue à faire ça tout le long, peu importe avec quel gain qu'on donne des dégâts. On va jusqu'à 500 dégâts au total et on va gagner de l'or. Fait que j'espère que cette petite vidéo-là va vous avoir aidé. Si oui, n'oubliez pas de partager et de laisser un petit commentaire. Ciao tout le monde!